Place de l'Alma, c'est pas vraiment Montmartre. Non, pourquoi? Parce que c'est à Montmartre que je vais habiter. Mais quelle drôle d'idée. C'est plein de touristes. Ah, peut-être, mais moi j'ai plein de souvenirs à Montmartre. Ah, tout le monde a des souvenirs à Montmartre. Il y a même des boutiques pour ça. Je croyais bien faire, mais si vous voulez, je vous ramène à l'agence, hein. Non, non, allez-y, j'ai aussi plein de souvenirs à l'Alma. Vous avez des souvenirs dans tous les coins de Paris? Oui, ça se pourrait, oui. C'est beau, hein? Je ne vends que de beaux endroits. Une vente, c'est toujours une vente. Pas pour moi. Ça vous suffit à vous de faire du fric pour vivre? Je suis pas commerçant. Qu'est-ce que vous faites? J'organise des concerts, des festivals. C'est un commerce. La musique contemporaine. C'est difficile de faire de l'argent avec cette musique. C'est pas le top 50, vous savez. Pourtant, vous cherchez à acheter un appartement. Parce que j'y crois, ma musique. Moi, je sais la faire aimer. Moi aussi, j'y crois à mes maisons. Regardez la vue, c'est plein sud, ensoleillé jusqu'au soir. Personne ne peut être triste avec une vue pareille. C'est beau, mais c'est pas ce que je cherche. Vous êtes curieuse, vous. Vous faites remplir une fiche, je coche maison, jardin, Montmartre, et je me retrouve au quatrième étage, place de l'Alma. Vous savez, ce que vous cherchez est extrêmement rare. J'ai déjà des clients sur des listes d'attente depuis des mois, depuis des années même. Alors vous comprenez, quand ça se présente... Vous allez m'en montrer beaucoup comme ça? Oh, je ne sais pas, 3 ou 4, mais on finira bien par trouver ce qui vous plaira. Je vous ramène. Eh oui, j'ai laissé ma voiture devant chez vous. Très bien. Merci.